aujourd'hui a lieu la première journée du championnat de Régional 3. Ça fait un an qu'on travaille pour préparer cette rencontre. Nous avons donc 40 joueurs qui nous ont rejoints. Je pense que nous avons à tout axer sur le familial, côté familial, côté humain. Nous avons repris les couleurs jaune et verte de la ville de Limoux pour lesquelles nous voulons nous battre cette saison pour arriver le plus loin possible, se qualifier et accéder peut-être à une catégorie supérieure, puisque en créant un cup, on a été obligé de repartir en Régional 3. Mais vu la qualité de l'effectif, je pense que nous arriverons à nos fins et que donc les joueurs vont se régaler et s'amuser. Et surtout, c'est le maître mot de notre cup. Après, c'est sûr que nous avons démarré cette année, ça fait un an qu'on travaille à ce projet et nous allons très certainement la saison prochaine augmenter qualitativement ce cup, puisque nous avons prévu de créer une école de rugby, des cadets, des juniors, une équipe 2 et éventuellement des féminines. Voilà, je pense que nous ne sommes pas un cup de bistrot, mais que nous avons créé quelque chose de fort sur Limoux et sa région, et je pense que dans les années à venir, Limoux portera haut les couleurs de la ville jaune et verte aujourd'hui. Bon, pour nous cette année, l'objectif c'est au moins de se qualifier pour les phases finales et éventuellement de monter au niveau régional supérieur. Donc là, pour l'heure, on peut compter sur un groupe d'à peu près 35 joueurs assidus à l'entraînement. On a un petit peu plus de licenciés, mais 35 joueurs qui sont là tous les mercredis. Donc les objectifs du club, je les ai cités en essayant de prendre du plaisir, puisque ça reste un jeu. Alors prendre du plaisir en jouant, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Donc en respectant le jeu, donc en étant rigoureux à la fois à l'entraînement et en étant rigoureux sur le plan de jeu et sur les matchs que l'on va faire. Donc là c'est la première, donc on est un peu non pas tendu, pas de pression particulière, mais il nous tarde ce premier match pour voir un petit peu où on en est, savoir ce qu'on a à travailler et à améliorer pour la saison à venir. Mais c'est pas une page blanche qu'on est en train d'ouvrir, nous c'est un livre qu'il faut qu'on écrive là dans l'immédiat.
Tout d'abord, il faut remercier quand même la municipalité qui nous a suivis sur ce projet depuis le début, et ensuite tous les partenaires financiers, tous les sponsors qui ont dépassé tout notre entendement, puisque nous avons été obligés de clôturer les publicités sur les maillots, sur les shorts, puisque nous n'avions plus de place. Et preuve l'engouement qu'il y a autour de ce cup, et je pense que nous avons, avec les joueurs, fédéré pour apporter et venir amener du public autour du stade les dimanches où nous avons joué, et j'espère qu'ils nous suivront à l'extérieur.